Yahoo les bonnes choses, j'espère que votre samedi s'est bien passé. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo 100% gachapon complètement barré. Donc je tiens à prévenir, j'ai fait exprès que ça soit flou pour être sûr que vous ne me voyez pas à travers, parce que même moi j'arrive plus ou moins à percevoir. Donc j'ai préféré flouter pour être sûr que vous ne voyez rien. Donc les trois gachapons ici, la couleur, sont d'une collection de gachapons de Candysan. Et les quatre là sont d'une autre collection. Donc voilà, donc si la suite vous intéresse, continuez. Donc du coup c'est parti, on va commencer avec les gachapons du coup de couleur. Donc il me semble que c'était des hamsters ou un truc comme ça. Donc, j'ai enlevé le scotch juste avant la vidéo. Donc je sais même pas comment faire en fait pour ne pas voir. Voilà, hop, on va. Je sais pas si vous avez aperçu, moi je n'ai rien aperçu. Donc du coup voilà les 6 modèles que l'on peut avoir. Donc honnêtement je dois dire que j'ai craqué à cause de cette image là qu'il y avait aussi sur le site Candysan, parce que je trouvais ça mignon qu'on puisse les accrocher. Donc ceux avec les graines je les aime bien, mais c'est pas ceux que je préférerais avoir. Et après je n'ai pas pris 6 gachapons parce que je ne souhaite pas essayer d'acquérir la collection complète. J'ai envie d'en avoir mais pas l'intégrale. Donc oh, on a le blanc. Donc on a le blanc, donc le numéro 3. Voilà, je pense que c'est lui. Oui parce qu'il est... Ah non, c'est peut-être le numéro 1. Je pense plutôt que c'est le blanc. Ouais c'est le blanc parce qu'il lui... L'autre il est plus coloré. Donc c'est parti. Ah, on a un petit bout de scotch. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Hop. Alors on va le mettre sur le petit doigt. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je dois avouer, c'est vrai, ça sert strictement à rien. Mais moi je trouvais ça trop rigolo. Et c'est trop mignon. Voilà. Faut pas aller plus loin. Hop. Donc on va le mettre en fond. Je trouve ça marrant en plus sa forme l'intérieur. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Je trouvais ça tout vraiment trop trop mignon. Donc on va le laisser là. On va ouvrir la noire. Et j'ai le téléphone. Donc je vous laisse quelques secondes et je vous retrouve. Donc décidément ce fameux téléphone n'arrête pas de m'embêter. Parce que samedi dernier, je pense pas que ça s'est vu sur la vidéo, mais samedi dernier aussi j'ai eu un coup de téléphone pile quand je filmais. Donc c'est parti. Oh, celui avec la graine. C'était pas forcément mon préféré je crois. Alors, ceux avec la graine, non, hop, c'est du coup celui-ci, tac, voilà, donc on a eu celui-ci, j'aurais préféré le jaune en fait, non, le blanc, j'ai vraiment un kiff sur les blancs, voilà, mais il est tout mignon, alors, on va le faire plus simple, voilà, tac. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon c'est pas fait pour être posé sur un doigt, mais c'est fait pour être posé voilà sur un tas de livres je pense. Moi c'est ce que je pensais faire avec ceux que j'aurais avec les graines, justement les poser sur mes tas de mangas pour faire une photo. Donc le voici. Et le dernier du coup de cette collection. Voilà. Ah non c'est l'autre, c'est le premier, c'est celui qu'on voit sur la photo, sur le doigt. Cool. Alors. Hop, 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 tac, tac, tac. Et oui, oh, tac. Donc moi, c'est pas pratique parce que j'ai un ongle. Donc, du coup, on a eu le premier, celui qui avait du coup sur la fameuse photo qui m'a fait acheter. Donc, je suis plus qu'heureux parce que c'était vraiment pour celui-là principalement que j'achetais. Enfin, pour ce principe-là. Donc, on va les mettre sur les deux index. Tac, tac, tac. Oh, ils sont trop mignons. C'est trop mignon. Voilà, voilà. Donc du coup on attaque avec les fameux gachapons en forme de sushi. Par contre j'ai très très peur parce que ces deux là ont la même couleur. On a déjà vu dans mes précédentes vidéos que ma couleur était égale à même modèle. Donc on va croiser les doigts. Donc ah purée, je vais niquer mes ongles à force hein. Voilà. Ah, ils sont pas pratiques ceux là. Alors du coup, bon j'ai aperçu, c'est pas grave. C'est le premier du coup, celui-ci. On va voir d'abord quand même ce qu'on a. Donc je vais quand même te les mettre aussi en couleur parce que là en noir et blanc c'est pas terrible. Donc on avait le thon je pense, saumon, la crevette, l'omelette et les œufs de poisson. Voilà. Donc celui-ci c'est le modèle clé en fait de la collection, c'était celui qui était bien mis en avant donc je suis contente aussi de l'avoir eu. Donc voilà c'est un petit strap, tac tac tac, on va le mettre là. On va attaquer du coup avec le jaune. Oh, on compte.
continue du coup avec celui en forme avec les œufs. Voilà. Tac, tac, tac. Oh, il est mignon. Attendez, hop. Donc, j'ai zoomé pour que vous puissiez bien voir les petits détails. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Mais c'est trop mignon. Voilà. Donc, n'hésitez pas vous à me dire aussi quel modèle vous auriez préféré avoir dans ceux-là et dans ceux d'avant. Donc, voilà. On va ouvrir du coup le fameux jeune pour voir si j'avais raison. Voilà. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, j'avais raison. Donc, celui-ci, je le mets de côté. Donc, on va terminer avec le gâchis rose et le dernier de cette vidéo. Donc, en croisant les doigts pour que je n'ai pas eu encore un double. Voilà. Mon pauvre vernis, il a pris cher. Aïe, je me suis pincée. Oui, on a le petit en forme d'omelette. Voilà, ils sont trop mignons, les visages, j'adore. Voilà, voilà. Donc du coup je vous ai fait un petit récap de ce qu'on a eu dans cette vidéo. Donc sur cette gâchapon on n'en a eu qu'un seul double. Donc je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire du coup lequel vous auriez préféré avoir et lequel vous auriez aimé le moins avoir. Et n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez fait ce week-end. Sur ce je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez d'autres vidéos gâchapon complètement what the fuck. Sur ce, à bientôt.